à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'huile essentielle d'orange douce et ses effets sur vos émotions. C'est parti! Avant de vous donner les propriétés sur la sphère psycho-émotionnelle de cette huile essentielle, je voulais vous faire un petit rappel très important concernant l'aromathérapie. Les huiles essentielles sont très puissantes et comportent beaucoup de contre-indications. Mes conseils se limitent à l'utilisation des huiles essentielles en olfactothérapie, c'est-à-dire directement en sentant l'huile essentielle. Pour des utilisations cutanées, par voie orale ou d'autres voies, diffusion, etc., je vous invite à bien vous renseigner avant d'utiliser les huiles essentielles. Comment pratiquer l'olfactothérapie ? C'est tout simple, il suffit depuis le flacon de prendre de grandes inspirations conscientes en profitant de l'odeur et en visualisant tous les effets positifs que cette huile essentielle peut nous apporter sur nos émotions. Vous pouvez également disposer quelques gouttes sur un petit inhalateur avec une mèche en coton que vous pouvez retrouver en pharmacie ou sur internet. Cette huile essentielle permet d'apporter de la joie et de la bonne humeur. Vous pouvez donc l'utiliser. Si vous sentez une certaine déprime saisonnière ou liée à un événement particulier, si vous vous sentez triste, si vous avez des tensions nerveuses, si vous avez besoin d'être détendu, cette huile essentielle est très relaxante et apaisante du système nerveux. C'est une huile essentielle que l'on peut aussi utiliser pour les troubles du sommeil. Donc si vous avez des difficultés à vous endormir, si vous souffrez d'insomnie, si vous êtes nerveux, angoissé, stressé, c'est vraiment une huile essentielle réconfortante, apaisante et relaxante. Au niveau énergétique, cette huile essentielle va permettre de relancer les énergies du chakra sacré pour tous ceux et celles qui utilisent l'aromathérapie à des fins énergétiques. Cette huile essentielle est très intéressante pour booster ce centre énergétique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail et pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !